Période comme celle que nous traversons, des moments difficiles, fermer toutes les portes aux négociations, à mon avis, je considère que c'est une erreur. Collègues, vous allez chacun intervenir. Collègues, s'il vous plaît, collègues, tolérance. Laissez les collègues s'exprimer. Je pense, Monsieur le Président. Collègues, laissons les collègues s'exprimer, s'il vous plaît. Monsieur le Président, allez-y, collègue. J'assume mon avis. Chacun en assumera le sien. J'assume mon point de vue devant Dieu et devant l'histoire. Et chacun assumera le sien. Je considère, Monsieur le Président, que cette question, une pareille décision, devait être laissé à l'appréciation du gouvernement au cas par cas. Mais si la majorité en décide autrement, elle en assumera aussi la responsabilité. Merci, Monsieur le Président. Merci, collègue. Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués collègues, j'ai suivi avec attention le projet de recommandation tel que lu par l'honorable rapporteur et nous distribué par la suite. Avec la petite suspension, j'ai eu aussi le temps de le lire. Deux petites choses me posent problème dans cette recommandation, Monsieur le Président. La première, déjà dans le titre, on parle des éléments des groupes armés terroristes et autres. Ma question est de savoir, c'est quoi autre? Quel est son contenu? Qui le détermine? Qui est le juge de ces autres? Je considère, Honorable Président, qu'une telle imprécision, une telle ouverture pour une pareille grave décision peut conduire à l'arbitraire. La deuxième chose se trouve dans le deuxième point, là où il est dit, en attendant l'adoption d'une loi relative, l'Assemblée nationale, 1. Déclare le M23 groupe terroriste au regard de l'article 2 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Ici, je pensais qu'il avait déjà été déclaré terroriste parce qu'aujourd'hui, les positions du gouvernement de ne pas négocier avec le M23, c'est parce que il considère qu'il est un mouvement terroriste. On va le déclarer deux fois terroriste. Ou c'est rivalisé, s'il vous plaît. C'est lui qui a besoin d'avoir la parole, il n'a qu'à venir ici. Laissez les collègues s'exprimer. Je dis, on va le déclarer deux fois terroriste. Ou c'est pour que le gouvernement, disons l'Assemblée nationale, l'ait dit aussi. Mais ce n'est pas là mon problème. Mon problème, c'est au deuxième point. Interdit au gouvernement de la République de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage
et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des FARDC, ainsi de suite. Honorable Président, pendant une période comme celle que nous traversons, des moments difficiles, fermer toutes les portes aux négociations, à mon avis, je considère que c'est une erreur. Collègue, vous allez chacun intervenir. Collègue, s'il vous plaît, collègue, tolérance. Laissez les collègues s'exprimer. Je pense, monsieur le président. Collègue, laissons les collègues s'exprimer, s'il vous plaît. Monsieur le Président, allez-y, collègue. J'assume mon avis. Chacun en assumera le sien. J'assume mon point de vue devant Dieu et devant l'histoire. Et chacun assumera le sien. Je considère, Monsieur le Président, que cette question, une pareille décision, devait être laisser à l'appréciation du gouvernement au cas par cas. Mais si la majorité en décide autrement, elle en assumera aussi la responsabilité. Merci, Monsieur le Président. Merci, collègue. Qui est soutenu par nos voisins du Rwanda. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, honorable président. Comme je viens de le dire, nous soutenons les efforts de la paix. Mais peut-être j'ai une proposition et peut-être nous devons noter ça aussi. Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, peut-être les Rwandais devaient faire un effort pour dialoguer avec eux. Parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais. Thank you, Honorable President. I see you're showing me that I should stop. That's what I had to do. Honorable President, I say if, because my brother said it, we have all those groups, and I'm going to say it directly to him so that he may listen. As we say, we hear it from the horse's mouth. We want them also to dialogue with the FDLR, who are remnants of the ancient groups from Rwanda. They are Rwandese people. They've killed more people in Congo than in Rwanda. We have lost more than 6 million people in Congo. So I would suggest that be put on record that one of the solutions, it's not talking about Congo should negotiate with the M23 only. They need to negotiate with the FDLR and get them out of our country. Because we have 9 neighbors, Honorable Speaker, but we only have a problem with our neighbor, Rwanda. We are condemned to live together. We cannot displace Rwanda. Neither can we displace Congo. So let's go forward and look for a durable solution. I hope this time it will be really durable solution because Congolese have suffered a lot. And we are not enemies with the Rwandese people, but I think it's the problem of the system. And I hope that all these efforts that are being done are going to bring peace and stability in the country for a true economic integration of the African continent. I thank you. La communauté internationale nous a demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir les réfugiés, principalement les réfugiés Hutu. Ils sont venus chez nous. Les efforts qui ont été faits par le gouvernement à l'époque pour les ramener dans leur pays étaient frustrés par la même communauté internationale. En 1994,
97, honorable président, c'était notre guerre de libération. Après 32 ans de dictature, il y avait eu la guerre de la libération. On a libéré notre pays de dictature par notre troisième président, de reste mémoire, Mzé Laurent Désiré Kabila. Honorable président, une année, trois mois après, en 1998, nous avons connu une rébellion. Et une rébellion de RCD, RCD Goma, qui était soutenue par nos voisins du Rwanda. Ils ont soutenu cette rébellion. 1998, la rébellion jusqu'à 2001, et c'est à cause de cette rébellion, honorable président, notre troisième président a été assassiné, Mzé Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001. Il était assassiné, malgré tous les efforts qui ont été faits par les pays de la SADC, et je remercie encore. Nous savons qu'on avait eu des discussions ici, et je vais revenir à ça. Quand on a assassiné Mzé Laurent Désiré Kabila, notre troisième président, la guerre a continué. Et vous connaissez l'histoire. On a connu notre quatrième président, le président Joseph Kabila, qui à l'époque, il avait 29 ans, honorable président. 29 ans. Et c'est lui, après tout ça, nous avons entré dans de dialogues, de discussions, et c'était ici, en Afrique du Sud, avec le mouvement rebelle du RCD Goma. Et les autres, la société civile et des autres groupes d'opposition. Honorable Président, de 1998 à 2003, l'RCD Goma a occupé la partie est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le Nord Kivu, partie du Sud Kivu. La RCD Goma, Rassemblement des Congolais pour la démocratie, c'était ça. Ils ont occupé cette partie de la République démocratique du Congo avec le soutien de notre voisin, le Rwanda. Ils ont fait 5 ans dans cette partie de notre pays. Mais ils n'ont jamais délogé les FDLR, qui sont des groupes de, je ne sais pas si c'est, comment je peux dire, ce sont des génocidaires, comme il dit, mais ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui sont venus là, comme je vous ai expliqué, j'expliquais à cette auguste plénière, mais ils n'ont jamais délogé pendant 5 ans ces groupes de FDLR. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas. Si eux, ils n'étaient pas en mesure de faire ça pendant 5 ans qu'ils ont occupé notre territoire, honorable président, pourquoi nous parlons de cette histoire jusqu'à aujourd'hui? Excusez-moi, je vais dire, c'est de la mauvaise foi. Parce que l'FDLR a tué beaucoup de Congolais plus que les Rwandais. L'FDLR opère dans notre territoire. Nous avons 2 345 000 km². Mais il y a des pays qui sont plus grands que nous, mais on gère les pays. C'est possible de gérer. Honorable Président, c'est ça le problème d'aujourd'hui. Le Rwanda a toujours dit que non, il y a des tentatives d'attaquer le pays. Mais je ne sais pas s'il y a un jour, un seul jour, que l'honorable peut nous dire, et je ne crois pas que je demande une réponse, qui peut nous dire qu'il y a eu l'FDLR qui est entré dans leur territoire. Honorable Président, en 2003, nous avons connu un gouvernement de un président avec 4 vice-présidents, la première en Afrique. C'était notre souci de ramener la paix dans notre pays, de reconstruire la paix, de construire la paix et reconstruire notre pays. On ne peut pas parler de développement d'un pays ou même de la région des Grands Lacs s'il n'y a pas la paix. Nous avons connu ce gouvernement-là pendant 3 ans, jusqu'en 2006, où nous avons eu la toute première élection démocratique dans notre pays.
et c'était 45 ans après notre indépendance. Tous les problèmes qui ont été présentés de RCD Goma, après qui étaient partis, ils ont recréé CNDP, après aujourd'hui on a les M23. On a résolu ces problèmes, honorable président. En 2013, les M23 que nous parlons aujourd'hui, que nous évoquons aujourd'hui, a été de fait par l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et toutes ces années, ils ont même écrit, ils ont signé un communiqué pour dire non, il n'y aura plus de la guerre, ils vont participer dans les efforts de paix et politique dans leur pays. Mais ça, chose étonnante, honorable président, qu'aujourd'hui nous parlons de M23 qui n'existait plus pendant 8 ans. Et nous avons les rapports des Nations Unies, il y a des preuves que c'est notre voisin du Rwanda qui est en train de soutenir les rébellions, cette rébellion du M23. Oui, on a 120 groupes armés et tout ça, mais ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est le M23 qui est soutenu par nos voisins du Rwanda. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, honorable président. Comme je viens de le dire, nous soutenons les efforts de la paix, mais peut-être j'ai une proposition et peut-être nous devons noter ça aussi. Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, peut-être les Rwandais devaient faire un effort pour dialoguer avec eux, parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais. Thank you, Honorable President. I see you're showing me that I should stop. Honorable Président, dans cette recommandation, nous avons mentionné le mouvement M23 soutenu par le Rwanda comme un mouvement terroriste. C'est déjà reconnu par le gouvernement comme étant un mouvement terroriste. Mais Honorable Président, nous avons oublié un autre grand mouvement, reconnu même internationalement, comme étant un groupe terroriste. On l'appelle ADF Nalu. C'est un mouvement reconnu. J'aurais voulu qu'on puisse ajouter ce mouvement-là. Honorable Président, j'ai suivi les collègues qui parlaient des accords ici. Le mouvement M23 est issu d'un accord. Un accord avec qui? Ce n'était pas avec le régime actuel. C'était avec le régime de M. Kabila. C'est le résultat de l'ancien régime. Et si les gens sont en train de dire que non, ils étaient à Kinshasa, ils étaient à Kinshasa, on les a rencontrés ici à Kinshasa. Le mouvement terroriste M23, on ne peut pas les caresser en les faisant entrer dans nos forces armées. Honorable Président, les anciens de cette maison, de cette assemblée, ils savent très bien que nous avions voté la mandature passée ici, la loi d'amnistie, et que le membre du M23 était sur cette liste. Nous avions refusé à l'époque, nous étions dans l'opposition là. Nous avions dit, attention, ces gens vont encore retourner. Les Makenga étaient amnistiés, parce qu'il y a ceux qui ne savent pas, c'est Makenga, le commandant du M23. Il était amnistié, il est rentré encore à Brousse, voilà qu'il revient avec le Wilingoma et les autres. Si aujourd'hui on les intègre dans l'armée, vous les verrez encore demain retourner les armes. Donc l'objectif du Rwanda, ce n'est pas ça. L'objectif du Rwanda est connu, c'est d'annexer le Nord Kivu et le Sud Kivu au Rwanda. Et c'est pourquoi nous devons refuser toute négociation.
Nous avons vu les politiciens passer par-ci, par-là, en disant non, nous voulons que le Rwanda et l'Ouganda et le Congo puissent se mettre ensemble pour négocier. Nous disons non, chers collègues, si nous faisons une erreur de négocier avec ces gens, vous nous sacrifiez, nous, le Nord qui vous sied, parce qu'ils vont nous annexer. Alors, cette recommandation, c'est le rappel. C'est le rappel au gouvernement que nous ne voulons pas de négociations avec l'M23. Et l'M23, comment on peut négocier avec un terroriste? Moi, je suis en train de me demander, quand on qualifie quelqu'un terroriste, pouvez-vous demander aux États-Unis de négocier avec l'Al-Qaïda? Qui les fera? Pouvez-vous demander au Nigeria de négocier avec le Boko Haram? Ce sont des terroristes. On ne négocie jamais avec un terroriste. L'M23, c'est un mouvement terroriste. Et honorable président, la négociation, nous ne sommes pas d'accord. Je vais vous dire le message que je viens de recevoir de ma base de Butembo. Il y a un grand notable dont je ne vais pas citer son nom ici, qui m'a dit, c'est aujourd'hui que je comprends que le bureau de l'Assemblée, c'est vraiment un bureau des patriotes. Parce que nous ne voulons pas de quelconque négociation avec l'M23, les EDF, LRA et d'autres mouvements terroristes. Honorable Président, il y a des gens qui pensent qu'à négocier, on va trouver une solution. Qui vous dit que nous avons peur de se battre? Nous n'avons pas peur de se battre. Nous, nous avons encore l'espoir que nous allons récupérer les territoires perdus comme le territoire de Rutshuru, la cité de Kiwanja, Bunagana. Nous avons confiance. Nous avons confiance. Si les FARDC reculent, nous, la population, nous prendrons les armes et se battre. La Constitution, l'article 63, nous l'autorise. Nous l'autorise. Nous allons nous battre. Celui qui a dit ici, négocier et tout, effectivement. Honorable Président, on a oublié aussi un aspect ici. On doit interdire aussi aux civils d'entrer dans l'administration de la RDC. Parce qu'il y a des politiciens qui sont derrière l'M23. Et ils n'attendent que ces négociations pour s'intégrer. Vous allez les voir, des ministres ici. Vous allez les voir, des mandataires des entreprises. Nous devons aussi mentionner, nous devons interdire aussi les mixages au niveau aussi politique. Parce qu'il y a des gens ici qui ne peuvent pas siéger d'ailleurs avec nous. Parce qu'ils sont, ils sont venus des accords. On ira jusqu'où avec les accords, honorable président? Accord de San City, accord de ceci, accord de cela. Nous devons mettre fin à ça. Et cette recommandation, elle est historique. Elle est historique. D'ailleurs, honorable président, je ne croyais pas qu'on arrivera en ces temps en train de discuter avant qu'on vous appelle d'arrêter les débats et tout, et puis de laisser. Nous devons condamner toute négociation avec l'M23 ici. Si nous négocions avec l'M23, sinon nous négocions la balkanisation de notre pays. Pas même la balkanisation, l'annexion. L'annexion. Suivez ce que, quand le Congo a signé les accords avec l'Ouganda pour la route Axe Kasindi, Beni, Butembo. Vous avez vu comment les Rwandais n'ont pas question. C'est comme si le Nord Kivu appartenait au Rwanda. Nous devons interdire tout ça. Et ceux qui disent que non, nous avons des problèmes, nous n'avons pas de problèmes intercommunautaires. On n'en a pas au Congo. C'est toujours la manipulation du Rwanda. Toujours la manipulation du Rwanda. L'M23, les armes qu'ils utilisent. Vous avez vu les anti-tanks, les RPG. Manifestez-les. Qui sont pour? À l'unanimité, hein? Merci, merci beaucoup. Qui sont contre?
Qui s'abstient? Au vu du résultat des votes, la recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés, terroristes et autres au sein des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Adopté. Merci, chers membres du bureau, très chers collègues. Le matin, lorsque j'ai vu à l'ajout de l'ordre du jour ces points, je me suis dit, ça y est. C'est aujourd'hui ou jamais où on devrait sauver notre nation et notre patrie. Peut-être parmi nous, il y a ceux qui ont d'autres patries d'appui, mais nous, nous n'avons que la RDC comme notre patrie. Honorable Président, je suis très heureux de cette recommandation que j'appuie avec tout mon cœur et que je demande à tous les peuples congolais de pouvoir appuyer. Et j'aurais souhaité ajouter encore une autre chose. Après cette recommandation, il faudrait qu'on puisse, les gouvernements puissent identifier tous les éléments des FARDC et de la police et des services de sécurité, qu'on sache qui est congolais et qui n'est pas congolais, et tout celui qui est dans l'armée, qui est arrivé avec des canons, puisse être mis en dehors de cette armée. Cette recommandation puisse être ajoutée à ce que vous avez mis sur ce papier ici. Honorable Président, depuis 2001 jusqu'en 2019, Kagame était considéré dans ce pays comme un dieu. Tout animateur des institutions ne pouvait citer les noms ni du Rwanda ni de Kagame. Mais aujourd'hui, avec le régime de Félix Tshisekedi, les petits Rwanda qui nous a beaucoup tracassés, et parmi nous, ceux qui nous ont créé des problèmes, il pouvait y avoir des morts si les ridicules pouvaient tuer. Mais chose grave, ceux qui nous ont mis dans ces conditions, c'est permettre même de se mettre du haut de cette tribune pour pouvoir défendre cet état des choses. Je recommande à tous les collègues de pouvoir appuyer cette recommandation et de la voter. Et je demande au président d'ajouter à ceci cette recommandation qu'ils sont en train de faire pour qu'on puisse identifier tout élément étranger non identifié qui a fait que notre armée puisse être hybridée. Nous avons besoin d'une véritable armée parce que l'armée dans une nation, c'est comme une ceinture qui tient le pantalon. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir une armée réelle et véritablement une armée sûre qui doit protéger notre nation et tous nos enfants et tous nos arrière-enfants. Je vous dis et je vous remercie, Monsieur le Président. D'abord, déjà, au cours du débat, j'ai pris position contre cette recommandation pour deux raisons. La première, c'est que dans le titre, il est dit que la recommandation porte interdiction de procéder au mixage, et tout, mais aussi de toute négociation. Et ils n'ont cité que le M23, le groupe terroriste M23 et d'autres. Ma première remarque, c'est de dire sur les 300 groupes armés ou plus qu'il y a dans ce pays, pourquoi on cite un seul? Pourquoi on n'a pas cité Codeco? Pourquoi on n'a pas cité tous les autres groupes armés? Et si c'est le seul groupe armé qui pose problème, alors faisons karma, assumons, faisons la recommandation sur le M23 et enlevons d'autres. Je considère que d'autres, c'est une nébuleuse. J'ai demandé qui va déterminer qui sont les autres. Pourquoi on ne fait pas la liste? On a tout le temps. Mais si on ne fait pas la liste, alors qu'on enlève d'autres, qu'on fasse carrément une recommandation contre le M23, parce que lui est cité. Ça, c'est la première main. La deuxième, il est dit dans le texte que on interdit au gouvernement toutes les négociations tendant à, on cite des choses. Moi, ma remarque, c'était de dire
qu'on ne peut pas, nous sommes un pays en guerre. On ne peut pas fermer les portes, toutes les portes de dialogue, toutes les portes de négociation. Et vous avez suivi dans le débat, plusieurs députés sont revenus sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait dialogue, il ne faut pas qu'il y ait négociation. Moi je dis, ce ne serait pas sage de fermer les portes qui pourraient servir d'issue en un moment donné. Et j'ai conseillé, j'ai dit la sagesse recommande qu'on laisse la question au gouvernement. Parce que le gouvernement aurait les mains libres pour apprécier et décider au cas par cas. Au lieu de décider de manière générale, alors qu'on n'a même pas examiné au cas par cas quels sont les groupes qui sont concernés par une telle mesure. Voilà mes deux observations. Le reste, la majorité a décidé, ça engage l'Assemblée nationale et moi, j'ai utilisé mon vote et je n'étais pas le seul. La loi prévoit qu'on vote par oui ou par non ou par abstention. Parlons du RCD. Le RCD, oui, je vous vois venir. Je vous vois venir. Madame, madame, justement, on a toujours dit les Banyamulenge ou nous, moi, Azarias, on a fait la guerre. Moi, j'ai été le collaborateur très proche de Moussa Laurent-Désiré Kabila. J'ai été son premier dirkab ou parsec. C'était moi. Pendant toute la marche. Pourquoi on n'attaque pas tous les Baloubakat? Parlons du RCD. Le premier président du RCD, s'il est du Bas-Congo, il est mort. Paix à son âme. Wamba Diawamba. Après lui, c'est docteur Ilunga Kalambo. Il est dans cette ville. Il est du Katanga. Pourquoi on n'attaque pas tous les Katangais? Attendez. 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 Là, je parle de 98. Nous étions avec Lunda Bululu du Katanga. Nous étions avec Onusumba du Kassai. Pourquoi on n'attaque pas les gens de Sankuru? Nous étions avec Azarias, quand on a créé le territoire de Minembwe, Azarias n'était que vice-ministre de cette rébellion. Son titulaire, c'était Tambwe Mwamba, le président du Sénat. Pourquoi on n'attaque pas les gens du Maniema? Avec Thomas Luaka, avec Sesanga, avec Zaïd Ngoma, qui était mon adjoint. Pourquoi on n'attaque pas ces autres communautés? Nous étions avec les gens de l'Ituri, nous étions avec Mboussa Nyamwisi, avec d'autres. Pourquoi on n'attaque pas les Banandés? Pourquoi, quand il y a la guerre, les autres peuvent tirer? J'ai beaucoup suivi Eve Bazaïba, mais j'avais voulu lui dire, en fait, vous appartenez au MLC. Le MLC a fait la guerre comme le RCD. S'il y a du sang versé, vous y êtes. Donc, vous êtes bénéficiaire de ce sang. Alors, les autres peuvent être des bénéficiaires, mais la facture de la guerre, c'est Alsace, Robert et moi et ma communauté, les Banyamulenge et les Tutsis. C'est injuste. Tous ceux qui ont fait la guerre, pourquoi vous ne leur demandez pas des comptes? Vous ne demandez des comptes qu'à nous. Et nous n'étions même pas des chefs. Donc, toutes ces guerres, c'est une affaire de Tutsis. Alors, je vous ai cité, j'ai tous les noms, je peux vous citer les Mende, les Kinkye. Ils étaient des porte-parole du RCD. Pourquoi vous n'attaquez pas les gens Nundu? Alors, donc, arrêtez. Pour Tshisekedi, Tosalaki ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, MMA Bichon à Kigali, na sala deux ans kuna, donc na ebi batunyon sowan, na ebi bang, eza la mokono moko boe na tongo, officier moko rwande, abenginga abi yaka place moko boe, na hotel, na keikuna, kote a self-service, pemene a piscine, na koma kuna, kamere yoy, Didier Tumba yoy, Katumba Mwake Yoyo. Donc, les grandes personnalités de l'époque à Kinshasa. Alors, leur bango va moningai va comprendre que Rwanda va piéger bango. Pour les koyoanes alaki, invasion rwando, ugando, burundaise. Invasion rwando, ugando. Si koyo, kamere lokola, munokonaes alaka, pete pete boe, soko diare. Abinanga, ah, Moubaki, toi ici,
Nabil, non, c'est à moi de te demander. Qu'est-ce que tu es venu faire chez l'envahisseur? Barouande Bakatena Bosse. Hein? Donc, Batounion soit là pour comprendre que Bapiéja qui bango naya kokuta bango. En fait, les attraper en flagrant délit. Bazakolia, Batelemi, Barouande Bakomi Koseka. Natanga kutu kombe ya Rwande moko ya kufaki karege ya Patrick. Wazaki responsable ya sécurité la bango. Azalaki wana. Sikoyo, bango batelemi bazo kende. Kamere azo kende boe, namoni ba papa mi bale bazo ya. Baya kope sa embote. Ba papa na bazo lo ba kinya Rwanda. Me, devant temwe, yempe a telemi. Sikoyo amoni ako revese. Alingia mema bango mosika. Bazolo banana kinya Rwanda, bapesa ni yambi na bango wana, bapesa na kawana. Yempe bandiko loba na munoko, et puis akena bango mosika. Karega alubi nanga omoni papa le kinya ewa. Ape singai adresse. Hakuna Kinyamulenge, uko mwenye Rwanda papa. Hakuna Kinyamulenge. Avec la fierté, avec tout le fier que je dois, c'est pour parce que je suis Mnyamulenge. Bon, je pense que c'est moi qui ai la parole. Okay. Mimi nakupatia heshima yako. Kama gisi ulisema, uko mfano wa Mungu. Bien sûr. Mais hautakuwa mfano wa Mungu kuya kuua wakongomani na kuangamiza wakongomani na kuambia wakongomani kama ni viduru, ni vijinga. Hapana. Pale njoo siwezi kukubalia. Nisubiri wana journalist. Naweza kuambia kama ifo kujua kama mkongomani ana haki ya kupigania nchi yake, ana haki ya kupenda nchi yake na ana haki kuambia kama wewe uko refugee. Sababu wakati tulisoma na wewe Biro Ngro Robert, tulikuwa tunakuita Congolais d'origine rwandaise. Na una uko na ile carte. Kusenga bolimbisi na baninga na badepute. Kusenga bolimbisi à toute la nation antique. Mawa, boke la mama. Mawa oto senga kanzambe. Mawa nanga pina ko senga kino ba mama. Mawa, kaka mawa nina seli. Olimpisangai. Nalikamboyo, ilikola tamboka mbimba. Bakundangai, bakata ngandambu ndambu. Olimpisangai. Comme maman Mui, na comme Fumu Kimbao, na comme papa Mpali, na comme Mumba Philippe, na comme Bangunza Nyonso. Ne sais pas. Olimpisangai, makamuze bele ya kosala, makamwe bele za koloba, olimpisangai. Nanzela olimpisi na bino, na kobi na bitumbalanga ya mabele, na kobi na bitumbalanga ya identite. Vous êtes ici.
C'est grave ça. Je n'ai jamais vu ça depuis que le monde existe. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Regardez-moi ça. Regardez ça, regardez. Les militaires, regardez. C'est quoi ça? Je vais vous montrer.